Thierry. Rabbit. Donne-moi une seule bonne raison de pas la faire. Que je suis donné une bonne raison. Ouais, une. Demain c'est la rentrée. Du coup j'ai cours demain matin. Et toi aussi d'ailleurs. Ok, ok. Donne-moi une seule autre bonne raison. Une autre. Je suis fatigué. Tiens, arrête le problème résolu. Une petite bière. Je voulais pas en arriver là. Et tu laisses vraiment pas le choix. Oh, attends, hé, tu fais quoi là? Qu'est-ce que je fais? Tu vois bien, non? J'ai percé tes toutes dernières capotes gourmandolées. Et on est précisément à l'heure où ferme les dernières pharmacies. Et je sais très bien que les distributeurs vendent pas ce genre de capotes. Alors il semblerait qu'il n'est pas que ma soirée qui soit en péril, mais également ta soirée. Enfoiré, connard, salaud, PD. Comment je fais moi pour aller voir les filles avec des capotes sans goût? Tu vas rester raisonnable. Non. Ah si. Ok, t'as gagné, bon c'est bon, vas-y rends-les-moi. Ah non, je les garde. Je les rendrai uniquement quand je pourrai partir. Bon. Petite bière ? Carrément ! Allez ! Seb ! Oh Seb là ! Ouais, non mais ça va là ! Gueule pas dans mon appartement comme ça, j'ai les voisins ! Tu t'invites chez moi comme ça, toi? Mais Seb, elle est pas rentrée comme les gens rentrent normalement. Ah oui, t'as raison, mon copain, parce que généralement, les gens, avant de rentrer chez quelqu'un, ils frappent à la porte. Non, t'as pas compris, la nana, elle s'est matérialisée dans ton putain de canapé, là. Ah ouais? Ouais. Attends, ça, c'est pas cool de se mathématiser dans mon canapé, là. Non, matérialisée. Hein? Matérialisée. Ah ouais, je me disais bien que mathématiser, ça voulait rien dire. Mais tu l'as dit quand même. Bah ouais, mais c'est parce que je savais pas ce que ça voulait dire, mathématiser. Alors, j'ai fait semblant, pour pas avoir l'air d'un con, quoi. Raté, tu passes vachement pour un con là. Ouais. Ah non mais ça va là, déjà tu débarques dans mon appartement à la One Again, sur mon canapé, et en plus tu me traites de con, c'est moi ou ça part super mal cette histoire là. Si tu préfères, je me casse, hein, y'a pas de problème. Mais oui, vas-y, casse-toi. Attends. Oh, attends, mec, t'as quoi? Vu ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La meuf, elle vient de se barrer du canapé là, genre Star Trek style. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, la nana elle se matérialise, elle se dématérialise, là, comme ça, pouf. Ah, ça veut dire ça, matérialiser? Oui! Ah, d'accord. Ah, si tu veux, j'ai fait des pâtes. Putain, c'est con qu'elle soit partie quand même. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout mon style de fille. Je te parle pas de ça, je veux dire que si la nana a la possibilité de se téléporter à volonté, ça veut dire qu'elle a un genre de pouvoir, tu vois. On a sûrement loupé l'occasion unique de parler à un être plus évolué. Tu veux dire un X-Men? Est-ce qu'on peut dire X-Woman? Non. Pourquoi? Parce que ça sonne super cochon. Vous mangez quoi? Des pâtes! Mais c'est ça, vous êtes une mutante? Non, je viens juste d'une autre planète. C'est où? De quoi? Ta planète, c'est où? Ah, c'est quelque part dans la galaxie du Centaure. Ah, je connais pas. Mais qu'est-ce que vous venez faire là, au juste? Eh ben, j'ai vu la console et la grosse télé et... Tu veux faire un FIFA? Ah oui, carrément! Attends, mec, il y a une alien qui vient chez toi, toi tu lui proposes de faire un FIFA? J'ai pas PES!